Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Ce sera peut-être une série ou ça s'arrêtera là, ça dépendra de vous si vous avez kiffé ce type de format. N'hésitez pas déjà juste maintenant à liker et à vous abonner, c'est important, on vient de passer les 7000 abonnés à l'heure où je vous parle. Attendez, je vous montre un petit screen. Voilà, juste ici, merci beaucoup. On rush les 10 000 parce que aux 10 000 abonnés, j'ai une très très grosse idée. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je réagis à vos fails, à vos pires fails, à vos chutes, que ce soit en trot, en sport, on parcourt, on skate, peu importe la discipline, mais je réagis à vos chutes. Je vous ai écrit il y a une semaine sur Instagram, vous avez été plus d'une vingtaine à me répondre et à vous envoyer. Donc je sais pas si vous allez tous apparaître dans cette vidéo, mais en tout cas merci à tous pour votre participation. Et n'hésitez pas à m'envoyer toujours des vidéos à l'adresse mail suivante. Ce sera plus simple pour les prochaines vidéos, comme ça je pourrai tout choper sur un email et je pourrai avoir les vidéos sur mon ordi. Bonne vidéo à tous, j'espère que vous allez kiffer et c'est parti. Du coup, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, comme vous pouvez le voir ici dans les messages privés. Donc j'ai fait exprès de rien ouvrir pour rien me spoil. C'est pour ça que aussi certains m'ont envoyé après les vidéos ailleurs, parce qu'ils ont cru que je les avais pas vus. Donc on va commencer avec Léonard. Alors, il est parti sur un double backflip, si je vois bien. Et il a atterri en plein sur la nuque. Mais il a dû... Il a dû se démonter. Après, il y a son pote, je pense, qui a fait des bacs simples. C'est quand même violent. Ouais, c'est quand même écrasé la nuque. C'est extrêmement violent. Hein. Il atterrit vraiment bien sur la nuque. Ah, ouf, éclate la gueule. Ouf, c'est chaud. What? C'est quoi? C'est bon? Oh, je me rappelle plus le terme. Oh là, honte. J'ai vu. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça, je pense. C'est du kitesurfing. Je sais pas, les gars, je suis naze. En tout cas, avec les gens derrière, c'est marrant. Tu t'es bien pris là. Oh là là. Je savais pas si ça comptait comme un sport, bah évidemment. En fait, je sais pas représenter la gravité du truc. Est-ce que c'était genre marron? Ouais, je sais pas. Donc c'est Charlie Leuenberger qui m'envoie son petit fail en trotte dans un skatepark qui a l'air... qui a l'air assez simple avec 2-3 rampes. Donc moi je vais te voir ça. Ah oui, mais c'est à la vallée de joues. C'est beau. Sur un petit whip. Oh là là. Ça c'est les fails, c'est... Alors ça paraît rien comme ça, mais c'est les fails, c'est les pires. Parce qu'on se chope le tibia et ensuite on fait un face plant. Et puis ça pique. En plus c'est en spine. Les spines c'est hyper dur à prendre parce que si on saute pas un petit peu sur le tech ou si on prend pas un peu la bonne hauteur pour bien atterrir dans la rampe, on atterrit en flat et on s'éclate. Et là c'est ce qu'il a fait, il voulait lancer son whip. Là il voulait soit le catcher ou soit retomber et puis il s'est dit ah c'est fini hein. Et là je crois qu'il a tapé le tibia et ah ouais ça fait mal hein. Ça c'est les fails qui font mal. Bon bah merci à toi et on passe au quatrième fail. Mon petit Jojo, le monteur de mes vidéos et mon collègue qui m'accompagne depuis un petit moment maintenant, celui qui a fait réaliser les web edits, qui m'envoie un fail en ski. Donc on va voir, je connais un peu son niveau, je connais un peu ses tricks et j'espère que c'est un beau backflip. Voilà, et là... Alors là, si je dois comparer par rapport à l'autre, donc à l'autre, on rappelle, hein, un petit double backflip, je sais pas... Si ça, ça fait plus... Parce que moi, je ne fais pas de ski. Les seuls moments où j'ai fait des sports en montagne, c'était du coup en snow scoot. Vous avez pu voir d'ailleurs, ceux qui ont vu les vidéos, et que c'était pas fameux. Mais du coup, le ski, j'ai aucune notion de ski. Et là, je sais juste qu'il est parti en gros layout et qu'il a mal atterri, qu'il est parti en avant. Et puis, boum, il a graillé le sol sur... Ah ouais, non. Même après, c'était violent. Ouf. Ouais. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, est-ce que ça fait vraiment très mal, mais en tout cas c'est pas beau. Parce qu'il y a par-dessus et après il est repassé
si on peut revoir la fin. Là, pam, et là, il passe par-dessus lui, et puis il part en persesquit, tout. Ouais, non, ça a dû faire mal. Julien, on ride, il m'envoie son fail, on trotte pour ta vidéo. Je sais pas si ça compte parce que je suis débutant, mais je te l'ai envoyé. Écoutez, les débutants ou pas, un fail reste un fail. Comme j'ai dit, hein, peu importe le sport, le niveau. C'est un petit fail. C'est un petit fail tout sympathique. Merci pour ta participation en tout cas. Et on passe à la vidéo suivante. Du coup, Paco TPSG qui m'envoie deux petits fails, un en ski, un en trot à la fièvre. Je me réjouis de voir parce que lui, c'est un mec qui fait des backflips, je l'ai vu déjà sur Insta. Donc en ski, la classique, c'est exactement le même fail que Jolan. C'est quand même fou. C'est le même fail. D'ailleurs, le scorpion, ça fait vraiment mal. Hein. Je pense que vous l'avez tous vu, la vidéo de Jordan Clark qui fait en double backflip le scorpion. Attendez, il peut faire ce tricks et il fait la prise du scorpion et on a tous cru qu'elle allait y rester. Ah ouais, lui, c'est violent. Hein. Il vient comme ça et puis il glisse sur la tête. Oh lolo, c'est vraiment vénère. Hein. Alors, j'ai jamais fait cette chute et j'espère jamais la faire parce que c'est vraiment hardcore. Hein. Ouais, dites-moi en commentaire... la douleur si vous avez déjà fait ça, puisque vous avez eu, parce que c'est vrai que je me rends vraiment pas compte en ski ce que ça a. Le petit. Petite réaction du pote derrière me fait rire quand même. Et du coup, pour le fail en trotte. Ouais, ça va. Après, sur les braille butters, ça fait toujours mal parce que pour ceux qui savent pas, moi c'est un truc que j'ai jamais voulu essayer, braille butters, parce que c'est vraiment genre. Du gros tryhard où il faut monter bien haut, bien faire le move. La rampe comme ça, on dirait pas qu'elle est vraiment énorme, mais de, quand on est de face, monter à cette hauteur là, c'est déjà insane. Et du coup, quand on atterrit, bah, ça fait forcément un peu mal. Il a atterri sur le tech et puis il a fini sur le bois, donc ça passe encore. Mais le fail en backflip, très. Arthur, aka Trouta 2008, au skatepark d'Yverdon. Le local. Ah ouais, bon ça dans les fesses, hein. La classique dans les fesses qui fait mal. Comment ça, mon ref? Ouf, ça va, il s'est bien rattrapé, heureusement qu'il avait les genouillères. C'est, pour moi, comme je dis, les genouillères c'est plus important que le casque. C'est dit. Parce que les genouillères, surtout quand on ride dans un skatepark en béton et qu'on fait pas des overheads ou des backflips, on tombe tout le temps sur les genoux et on se les écorche. Et je trouve ça super important. Daniel Mendes. Oh le petit bar twist. Oh les bar twists, faut savoir, c'est un trick super dur à faire. On courbe, c'est super chiant parce que quand on le lance et que ça revient, si on chope mal la barre, on part forcément mal. Et là, c'est typiquement ce qui lui est arrivé. Il a mal pris la barre. Et il est parti sur le tech, pas de genouillère, du coup bah les genoux ça fait mal. Et puis il a réceptionné sur le poignet, je pense qu'il a eu mal aussi. Et la petite insulte juste à la fin, la classique. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out. Je crois que le cri derrière m'a fait plus peur que le fail. Tommy Boy, un rider de mon local. Ça va, il a bien réceptionné, mais ouais, ça pique. Hein. Et il y a de la chance parce que encore des fois, il y a des riders qui se prennent l'entrejambe ou qui se mettent sur le tech et après ils se tordent. Ah, les rails, c'est... des fois ça pardonne pas. Hein. En plus, il a pas de genouillère là. Là, on voit, il croche, il se tape le bord. Et puis, il est fini. Hein. Pas bien. Ok, en street. Qui prend extrêmement beaucoup d'élan et qui a c'est un spot, alors je connais pas du tout le spot mais c'est vraiment stylé. Puis il y a 6 marches dont un petit à mon avis il va partir sur un giga kickless ou un giga truc pour aller parce qu'il a pris full speed
Oh, ça pique. Vous voyez là les pavés? Les pavés, je pense qu'ils sont mortels. Je pense qu'avec les genoux, il a dû prendre tarif. Il prend full speed, kickless. Et là, il atterrit à côté. Ça, c'est le pire, je crois. Parce que t'es sur tes appuis comme si t'étais sur ta trotte. Et du coup, ta trotte, elle continue. Alors que toi, t'es pas sur la trotte. Ouais, c'est terrible. Après, il a pris le coude un peu. Mais il a bien réceptionné. En tout cas, j'espère. Et puis la petite roue là, à la fin, c'est chaud. Mathéo, sinon j'ai plein de fails en ski. N'hésitez pas hein, à m'envoyer si vous avez encore des fails. Je vous ai dit à cette adresse mail ou vous pouvez m'envoyer en DM sur Insta, il n'y a pas de souci. Ce fail m'a valu un sale bleu que j'ai toujours depuis 4 mois. Ah ouais. What? Il saute. Ah ouais, ok. Ça aborde et il continue et du coup, bam, la grosse main et la cuisse. Ah, ça pique. Petit fail en ski. La piste qui a l'air magnifique. Oh, par contre, très beau. C'est un... Alors, je sais pas comment vous appelez ça en ski. N'hésitez pas à me rectifier ça dans les commentaires. Mais nous, on appelle ça un barani. Et c'est magnifique. C'est super beau, par contre. Faut que j'apprenne à faire du ski un jour. En tout cas, merci à toi pour ta participation. Josh qui m'envoie 3 petites vidéos. Oh oui, la petite vidéo en snow scoot. Un petit parti en, il est parti en heel whip sur un gros gap. Ouais, ça c'est l'effet classique. Après il y avait de la poudreuse du coup, ça va. Oh, c'est le même spot que le big kickless. Ce qui se passe, les pavés ils ont l'air mortels hein. Ah ouais, là la jambe. La jambe, oh la jambe ici. Oh, ça pique hein. Oh, ça pique fort. Oh, j'espère que ça va. Hein. Merci beaucoup pour ta participation, mec. Milan Sulac qui m'envoie. Voilà pour ta vidéo des fails. Je kiffe tes vidéos. Continue comme ça. Je me suis fait une fracture à la cheville. Oh, purée. Ok. Ok. J'aurais juste de voir celle-ci alors. Il s'est fait une fracture à la cheville. Ok, c'est en trotte. Et merci beaucoup mec, ça me fait plaisir. Allez. What? Ça fait mal. Allez. Ok, là il le plaque, il est refait. Et là il met son pied. Ah ouais, c'est le pire. Il met son pied et là. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Parce qu'il met son pied. Et puis ça glisse, et puis du coup il continue sur sa cheville. Oh, et là ça... Ah ouais, ouais, la fracture. À force à toi, hein, j'espère que ça va mieux la cheville. Pas du tout, 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 pas du tout. Ok, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qui veulent participer aux prochaines vidéos, et si vous avez kiffé, n'hésitez pas vraiment à liker pour me le faire savoir. Comme ça je sais que c'est un concept que vous aimez bien et puis que je peux refaire. En invitant des guests, que ce soit mon petit frère si vous le désirez, que ce soit mon autre frère, enfin c'est vraiment un truc qui peut être tout envisageable. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé leur fail. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions dans les commentaires du ski et tout ça, et de me donner vos retours. C'était Métimo, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine. Ciao ciao.